Big salutations à toutes et à tous, c'est Gérard le Génie. On se retrouve pour un nouvel épisode de Link's Awakening sur Nintendo Switch. Comme vous avez pu le voir, normalement ça c'est l'épisode 4. Les épisodes sont un peu espacés, ce qui me laisse un petit peu plus le temps de faire quelque chose d'à peu près régulier en même temps et d'être un peu plus présent sur les vidéos, mais pas aussi présent qu'avant quoi en fait. Du coup, le truc que je devais faire, c'était d'aller chercher le quatrième donjon. Et pour ça, faut que j'aille quelque part ici. Il y avait une histoire de désert, en fait. Je me souviens plus trop bien. J'en avais discuté avec des potes, parce que je sais que là, c'est la partie village des animaux, il me semble. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je trouve un endroit. Je crois que c'est vers ici, en fait, que je dois aller. Je suis pas spécialement sûr. Ça se trouve, je vais faire n'importe quoi. Ouais. Bah, on va partir tout au sud, déjà. On va partir ici, on va continuer un petit peu plus au sud. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah oui, j'ai eu quelques petits messages sur des demandes en fait de récupération, enfin de récupération, de reprise d'anciens let's play et tout. Je pense que ça va se faire. Laissez-moi juste le temps, comme je vous ai dit, en fait, de me mettre, enfin, de bien me sentir au niveau des. De tout ce qui est montage, etc. et tout, de tout, enfin, même un petit peu la totale en fait. C'est le même le commentaire aussi qui était à bosser. Ah, je peux pas sprinter et laisser boucler en même temps, c'est dommage. Ça aurait été un bon plus, moi. Ouais, voilà. Donc, juste histoire que je puisse reprendre mes habitudes et tout. Parce qu'en même temps, en fait, en passant quelques mois sans faire de vidéo derrière, tu perds vraiment la main, en fait. Moi, c'est une impression que j'ai. Donc ça, hop, merci Samchi. Nickel, c'est pas un petit collier supplémentaire. Et j'avais dit quoi, moi? J'avais pas dit 15? Ouais, 15. Donc là, je ne les ai toujours pas. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah ouais, c'est par ici, je pense, non? Enfin, j'en sais rien. J'ai une idée d'aller par ici. Yes. Ah, attends, c'est quoi ça? C'est ça que je voulais faire depuis un moment. Attends, vous allez ramasser une pomme et restez un peu au cœur. Ok, d'accord, pas de problème. C'est trop marrant, il est vraiment en train de la prendre et la manger, quoi. Je pensais que c'était un petit stock supplémentaire et tout. Mais ça, c'est nouveau. Et voilà. Ce putain d'escalier que personne ne sait. Si tu l'as zappé, tu l'as zappé ce truc-là. Ah, c'est secrète. Oh, j'ai un quart de cœur ici en bas. J'ai besoin des palmes pour ça. Ok. Ouais, donc voilà. On va finir déjà Link's Awakening. Première chose à faire. Seconde chose, je pense que je vais mettre un sorte de. Je sais pas comment on peut dire ça. Un sondage quelque part. Peut-être dans la zone communauté ou je sais pas quoi, parce que je l'utilise jamais ce truc là et je me dis wow, peut-être qu'il serait temps de l'utiliser et ça pourrait être cool en fait. Et comme ça me permettrait de savoir qu'est-ce que vous voulez comme reprise de let's play. Bon, après ça sera ouvert j'imagine, donc du coup il y a moyen que je mette 2-3 noms de let's play et derrière en fait il suffira juste de mettre. Comment dire? Bienvenue au village des animaux déjà? Ok. Oh, trop chaud! Petit lapin. Une chanson de Marine par un si beau jour, ce serait le pied. Mais elle est trop bien la musique! Oh la vache! T'entends des chiens, des chats en fait pour faire la musique? Ouais, donc je disais en fait. Je mettrai 2-3 suggestions, mais après, derrière, vous pouvez très bien mettre un petit commentaire, et si, genre, par exemple, beaucoup liker ou demander, etc. et tout, ça sera une priorité par rapport aux let's play qui seront en reprise. Vu que vous avez pu voir, en fait, en termes de temps, on est plus sur du rythme journalier comme je pouvais me le permettre avant. Pour l'instant, en tout cas. Je sais pas comment ça se passera plus tard, peut-être que j'aurai un peu plus de temps, j'en sais rien. Les dunes derrière. L'entrée est au sud. Mais pas sûr que tu puisses y passer, ok. Gros balourd qui s'en va. Ah. Ok, c'est le petit message pour aller dire réveil machin et tout, il faut aller chercher Marine. Oh! Le crocodile. Alors, sachez, je m'appelle Sven Donavich. Yes, oui. Je suis un célèbre artiste. La statue de la sirène qui surplombe la plaie est mon plus grand chef-d'œuvre.
Malheureusement, elle demeure inachevée. Mais tu peux pas comprendre, mon art est trop compliqué pour toi. Ah, attends, mais du coup, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, c'est vraiment une personne? Va-t'en. Hippopotame modèle. Dommage, on peut pas voir le dessin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Oh, c'est un échange. Ah, les hibiscus. Mais oui, c'est un échange. Les maisons, elles sont trop mignonnes. Genre, on dirait des maisons à Animal Crossing, s'il te plaît. Savais-tu que le village des animaux et des mouettes étaient des villes jumelées? Hein? Enfin, des villes, c'est un bien grand mot. Il serait plus juste de dire que ce sont des villages jumeaux. Quoi qu'il en soit, tu sais, le gîte des rêves au-dessus des villages des mouettes, eh bien, d'après une source sûre, à l'intérieur, il y a trois pipons. Crois-tu que c'est vrai? Oui, il y a un ocarina. Et des sous aussi. C'est trop bizarre, il y a un monstre. Il y a un truc là-bas, je crois. Genre, il y a des vagues autour qui sont... Ok. En même temps, j'ai entendu un bruit. Trop mignon, la petite cocotte, là. J'ai un truc explosif là-bas. Les monstres sont si nombreux que je ne peux plus me rendre au village des mouettes. J'espère que Marine va bien. Ils ont pas de téléporteur entre les deux, je crois, non? Ah! Attends, est-ce que c'est... Ils veulent l'ananas, non? Je me demande qu'un créateur serait temps. Si j'avais du miel, ce serait parfait. Merde! Ah mince, putain! Le miel, le bâton, le miel. Je suis à un échange près. Et c'est lui qui file l'ananas, si je dis pas de bêtises. Alors déjà ça, je peux faire ça? Ok, nickel. Mais attends. Est-ce que ça, j'ai l'impression que je peux tellement foncer dessus pour le péter? Il doit être là, là, le gros truc. Ouais. Ronflex. Ok, ça demande clairement Marine. Entrée des dunes de Lerna. Par contre, il y a un autre truc qui m'intéresse, c'est ici. Des fois, j'ai l'impression que je peux péter des murs en fait en fonçant dedans. Dans ma tête, ça se passait autrement. Si je fais ça, ok, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, mais ouais, ok. Par contre, je peux pas passer. Mais je peux strictement pas passer en fait. 2, 4, 5. Le truc est beaucoup trop grand. Attends, on va faire un test. Je passe pas. Je passe pas. Pas du tout. C'est pour la cocotte, ça. Reste là, toi. Aucun moyen en fait, ouais. Mais du coup, ça veut dire que ce quart de cœur est ratable. Parce que si tu reviens pas ici et que t'as pas la cocotte, ça sert à rien. Parce que moi, je pensais qu'on pouvait plus rien rater maintenant. Enfin, après, je dis peut-être n'importe quoi, peut-être qu'il y a moyen de récupérer la cocotte d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui savent pas trop de quoi je parle, en fait, on verra ça d'ici un ou deux donjons. En fait, je me souviens même plus exactement à quel moment tu la récupères. Ok.
Marine va peut-être pouvoir nous aider maintenant. Tout ça parce que j'avais pas envie de la taper. Attends, elle est passée où? Tiens, Marine est plus là, je me demande où est-ce qu'elle est. Ah, je sais où elle est. C'est parfait. Meilleur moment du jeu. Ah, mais oui, mais j'ai la force de faire ça maintenant. Bienvenue les rubis. Bientôt l'arc. Très bientôt l'arc. Ah, parfait. Mais attends, y a pas un. Elle m'a remarqué. Oh, GR. Tu savais où me trouver, on dirait. Veux-tu qu'on parle un peu? Volontiers. À ton avis, d'où vient cette noix de coco? Tarquin me dit qu'il n'y a rien au par de la mer. Moi, je suis persuadé du contraire. Tu sais, Jir, quand je t'ai vu échouer sur la plage, mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai tout de suite pensé que tu étais le messager que j'attendais. Si j'étais une mouette, je m'envolerais loin, très loin. Je visiterais des tas d'endroits et chanterais pour tous. Si j'exprime un vœu au poisson rêve, l'exaucera-t-il? Hey, tu écoutes hier? Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Je vais faire un petit pardon, hein, quoi? J'apprends à connaître l'endroit d'où tu viens, hier. Oublie ce que je viens de dire. Comment? Tu veux que j'aille voir le morse avec toi? D'accord, je t'accompagne. Marine se joint à vous. Ça reste la chance de votre vie. Yes! On a réussi à pécho Marine. Oh, c'est trop mignon hein, quand on va la sauter en arrière. Putain, j'ai tellement pas envie de faire la suite maintenant, ouais. Genre, pour moi, c'est le meilleur moment du jeu, c'est quand t'es accompagné de Marine. Est-ce qu'il y a sprint? Oh, sprint! Ils ont fait une animation pour le sprint. C'est énorme. Attends, mais il y a trop de trucs à faire avec elle en fait. Je sais même pas par où commencer. Est-ce que déjà. Ça fonctionne toujours. Ah, déjà, la première chose à faire, je vais sauvegarder. Et garder un fichier où je suis accompagné de Marine. Voilà, si, ils l'ont laissé. C'est un truc qu'il y avait sur DX. C'est la première fois que nous nous baladions ensemble, je veux dire. Cette falaise sera notre jardin secret. Oh, elle est trop choute. Et c'est le moment fanboy, hein, genre. Eh ben alors, dis quelque chose, hier, c'est un peu gênant. Ah, et ah! Alors du coup, ouais, voilà, c'était des trucs. Enfin, c'était des trucs. Genre, c'était une scène dans laquelle on pouvait faire ça à partir de DX, si je dis pas de bêtises, parce que tout simplement, en fait, il y avait des photos en fait sur ce modèle. Et du coup, en fait, sur ce truc-là, tu pouvais faire des photos et directement avoir. Attends, qu'est-ce qu'il y a ici, du coup? Ok, parce que ça. Le pouvoir insoupçonné des couleurs. Voulez-vous lire ce livre? Le pouvoir des couleurs repose sous cinq pierres tombales. Ah, ok. D'accord. Alors c'est haut, droite, haut. Ah non, mais ça démarre comme ça aussi. Bas, gauche, haut, droite, haut. Ok. Le pouvoir des couleurs emplira l'habit de celui qui aura prouvé sa valeur. Qu'est-ce que tout ça veut bien vouloir dire? Du coup, je pouvais le faire à partir de ce moment-là, je pense. À partir du troisième donjon.
Je sais pas si je peux embarquer Marine avec moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des bêtises avec? Est-ce que je tape les cocottes? Mais enfin, la pauvre poule, arrête donc! Elle dit plus rien? Elle dit juste un message? Youpi, vas-y encore! Pardon, mais non, je t'ai rien dit, je plaisantais! Il y a un troisième message ou pas? Non, il n'y a pas de troisième message, il n'y a pas de troisième message. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah. Oh là, c'est pas bien, JR. Elle le dit à chaque truc? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres messages déjà? Elle est désespérée. Il reste quoi d'autre? Ah, il y a deux trucs encore. Je crois que c'est en deux temps ça. Oh, elle est trop chute, comment elle a sauté dedans? Ouah, super, c'était trop bien! Oh, désolé, rien de cassé, JR. Il y a le deuxième truc. Qu'est-ce que ça pourrait... C'est, je crois, en fait, c'est quand j'esquive rapidement avant qu'elle tombe. Je sais pas si un jour elle le dira quand même. Oh, waouh, super, c'était trop bien. Ah non, c'est tout, ok, d'accord. Elle parle pas des réflexes ou quoi que ce soit. Ok. Oh, j'ai tellement pas envie de faire la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On va taper les cocottes. Peut-être un truc ici. Tout le temps. Et il restait ça, je crois. Voulez-vous la laisser jouer? Bien sûr. Il est tellement vénère. Tu es doué. Tu dois être une pro, hein. Zo, du vent. On ne veut plus de pro. On ne veut pas de pro ici. Le pauvre gars, il est désespéré. Par contre, moi, je crois que j'ai rien de spécial. J'ai dû faire à peu près tout ce que j'avais en tête. Tout ce que je me souvenais un peu. Genre, j'ai vraiment tellement pas envie de quitter Marine en vrai, là. On va faire une petite sauvegarde normale. Là, elle est équipée. Là, elle est avec moi, mais tranquillement. Bon, je vais quand même acheter ça tranquillement. Bon, là, elle est avec moi. Peut-être la pêche? Je sais pas. Ça va être un test, en fait. Ouais, le ils font rien. Ah, c'est je peux les récupérer carrément. Je pensais qu'elle allait exploser. Bon, au final, sur la pêche, il n'y a rien eu de spécial. On va retourner au village des animaux, tristement. Alors, cette petite excursion avec Marine, ça aurait été très court. Ah, une fée. Ah non, c'est bon, j'en ai déjà une. Ah oui, attends. Elle fait quoi du coup si je joue de l'ocarina? Pas terrible. Connasse. Pardon.
Si j'ai dit quelque chose. Non, tu as dû relever. Elle est pas sérieuse. Je suis choqué. Ah, c'était violent. Putain. Elle dit que c'est elle qui m'a appris la musique, quoi. Oh, attends, mais là, ils vont être tous contents, non? La musique, elle est trop bien. Ça me fume, en fait, de faire une musique avec juste des bruitages d'animaux comme ça et tout. Et quelques instruments un peu légers. C'est ce groupe Interproof de Morse? Si on lui faisait une petite surprise. Bah d'accord. Allez, go la Pokéflûte. On dirait qu'il s'est levé de bon pied, non? Oh, il est trop mignon le lapin. Oui, tu veux que je te suive? Pour notre petit rassemblement habituel, n'est-ce pas? Je vais au village des animaux. Rejoins-moi quand tu auras un peu de temps, Gire. Mais je vais y aller tout de suite, en fait, hein. Je sais pas s'il va y avoir une animation maintenant ou pas. Ah, voilà. N'oublie jamais ma balade, ni moi. Oh. C'est quoi ça, c'est un ours? Il est marrant. Je me demande à quel moment tu l'entends, enfin si tu l'entends même dans le jeu, la musique chantée. Parce que là en fait on a juste les sonorités et c'est tout, mais... Est-ce que je peux soulever ce truc là? Non. Ça non plus. Je l'avais totalement zappé en fait le... Ah purée, comment je l'ai trop zappé en fait ce désert? D'autres quoi. Je crois que je peux passer par là. Il y a un truc ici, c'est des coquillages, si je dis pas de bêtises. Yes. Tu dégages. Qu'est-ce que tu peux me raconter? Quand viendra l'éveil, le rêve disparaîtra, emportant les monstres avec lui. C'est pourquoi les monstres tentent d'arrêter le héros de l'éveil. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Ouais, si, y a un boss. Petite vermine, sale vermine. C'était quoi déjà le délire? Non. Ok. Oh purée. La couleur, elle est... On dirait vraiment un vrai scolopendre. C'est dégueulasse. Allez, où est-ce que t'arrives? C'est bien fait quand même, hein, l'effet de sable. C'est un truc de ouf.
Ok. Alors, si je dis pas de bêtises, il lâche une clé. Et je vais la ramasser, je vais quand même tomber avec. Ah! En fait, il fallait appuyer sur A pour la ramasser et moi je l'ai pas fait. On dirait la clé poisson. On aurait tellement dit un fantôme avec genre deux traits et la tête genre en mode je suis pas content. Vas-y, mais venez tous. Je sens que vous avez besoin que je vous éclate. Toc. Non, reviens là! Dommage, j'ai pas eu le temps de faire les deux. Quart de cœur, c'est le bienvenu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Rien. Ouais, je peux remonter direct en fait là maintenant. Ok, donc là de ce côté-ci, c'est fait. Par contre, si je dis pas de bêtises, je n'ai toujours pas de palme. Et là, on parle de clé poisson. En gros, j'ai besoin d'aller voir, ouais, clairement. Vas-y, où est-ce que je vais récupérer les palmes en fait? Parce que, genre, le donjon, il est juste en haut à gauche, je crois. D'ici, de cette zone-là. Ouh, cette clé évoque un poisson remontant une cascade. C'est là ta prochaine destination. Alors, rends-toi à la cascade de la montagne. Une fois qu'elle sera tarie, saute depuis son sommet. Ouh. Ah, mais non. Je dis n'importe quoi, je crois. C'est tout en haut, alors, du coup. Ok. Donc là, maintenant, ça va être... trop bien, cet endroit. Par contre, j'aimerais bien aussi récupérer le miel. Je sais pas pourquoi j'ai cassé cette boîte. Ah, ok, d'accord. C'était une zone à grappin. Donc ça, c'est fait. Il y a quelque chose ici. Sous le pont dort un secret. Ça, ouais, ok, j'imagine bien. Et à côté de toi, dort pas un coquillage, peut-être? Je me disais. Ok, y a un autre truc qui m'intrigue maintenant, c'est d'avoir les palmes. Donc les palmes, c'est après. Non, c'était tellement pas le but. Attends, mais la zone à droite, là. Genre, on dirait tellement que je pourrais y aller, mais non, pas tout de suite. Non, vraiment pas tout de suite, ou... Est-ce que j'ai déclenché la zone du hibou avant l'heure? Ouh. Au nord et au sud se trouvent deux temples. Va d'abord au sud. Tu y trouveras des ruines antiques qui ont un lien avec le poisson rêve. Tu en apprendras sûrement davantage. Ouh. Je peux me permettre d'y aller ou pas? Parce que c'est peut-être pas le moment en fait. Je sais pas ce que je fais, pourquoi je fais... Ouais, je crois qu'il y a un coquillage là, c'est obligé, ça sent le coquillage en vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a... Non, je vais pas conforcer ici. Il fera moins le malin comme ça. Si le poisson rêve ne se réveille pas, le héros sur sa île périra. Hein, quoi? Il faut savoir, donc du coup c'est vraiment une question de vie de mort en fait que je réveille le poisson rêve. Ce qui est fortement dommage. Ah putain, cette zone elle est... Je crois que je peux pas me permettre de la faire. Il me faut un arc. Je vais nulle part sans l'arc. Ouais, vas-y, on va éviter, on va laisser tomber. Parce que là, ça va être du forcing pour rien. Donc du coup, le donjon que je dois faire est au nord. Oula. Laissez-moi partir d'ici.
Zéro sécurité, mais bon. Alors, j'imagine que je dois aller ici, en fait. Ouais, ça a peut-être un rapport avec ça. Genre là... Ah, j'ai pas accès ici ou pas? Si, non? Ok, parce que là, j'imagine que c'est ici que je dois déposer la clé, peut-être. Ok, alors plutôt que d'imaginer, on va aller trouver le téléporteur et on va y retourner tout de suite. Ah, mais j'ai mes 15 coquillages! Qui dit 15 coquillages dit maison des coquillages. Bon alors, j'ai mérité ma récompense. Là, vous avez obtenu le détecteur de coquillages. Il vous indiquera si un coquillage se trouve à proximité. Le truc le plus pété. Ah, je peux l'activer ou le désactiver, comme je le sens. Intéressant. On va le laisser activer, hein, parce que... Tant qu'à faire, si je peux récupérer tous les coquillages... Je crois qu'il y en a 50, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc je suis arrivé ici maintenant. On va aller par ici d'abord. J'avais pas trop fait cet endroit. Ah bah voilà, c'est ça. Maintenant je sais d'où je devais tomber en fait. Je dois faire tout le tour et tomber d'en haut. J'aurais les souvenirs qui commencent un tout petit peu à remonter pour ça, pour quelques fois. Ok. Il y a un truc qui m'intrigue. Alors déjà... Ok, ok, ça m'intrigue encore deux fois plus. Ok, il y a un coquillage qui est dans le coin, ça c'est sûr. Mais c'est trop dégueulasse en fait si c'est genre à creuser comme ça. Il n'y a pas eu d'indicateur ou un truc comme ça. Genre par exemple un hibou ou un truc comme ça qui puisse me dire. Et si exactement il y en a un. Par contre il y a un truc qui m'intrigue de ouf. C'est cette première rencontre avec ce truc là. Genre ça me donne tellement envie de balancer une bombe dessus. Ok. Eh, c'est un vase. C'est un vase de Goron. Ah putain, j'y crois pas. Ok, du coup, c'est vraiment un puissant fond, ça sert à rien. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai par ici, moi? Ok, chemin dans l'autre sens. On va dire à sens unique. Je crois après ce donjon, en fait, ce que je vais faire, c'est aller récupérer la couleur. Du coup, faut que je passe en hauteur directement. Ah, ok, d'accord. Je pensais que je pouvais grimper davantage comme ça. Oh, cette musique, elle m'avait manqué. Est-ce que je peux y aller comme ça? Je pense que ouais. Oula. Est-ce que je m'apprête à faire une bêtise?
Ouais, je m'apprête à faire une bêtise. Ok, je m'apprête à faire une double bêtise. Bon, attends, en vrai, en fait, je veux quand même y aller là. Je vais remonter par ici. Ce sérieux cri. Mais en fait, j'ai fait ça pour rien. Je pensais qu'il y avait un truc, genre style un coquillage ou un truc comme ça et tout, mais non, rien du tout. Ok. On a ça de l'autre côté. Je pense pas qu'il est possible de traverser. Ouais. Beaucoup trop présomptueux pour moi. À gauche ou à droite? On va d'abord aller à gauche. Ok, nickel. Petit coffre. Oh là là, je suis encore un petit peu trop loin. Près de 250 rubis encore. Oh! Je peux venir déjà le sauver lui? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est pas justement aller le sauver? Je crois bien, hein. Oh, mais non! Ah! Il est totalement invincible, ok. Pourquoi pas? Ça se fait pas, mais bon. Ouais, c'est ça. Ah! Waouh! Ok. Ah, d'accord, ok, je le vois. Mais j'y ai pas accès. Comme j'avais prédit, je me voilà perdu. J'ai trop faim pour faire un pas de plus. Me nourrirais-tu? Pas question. Non, ouais, si. Dans tes rêves. C'est pas sympa. Mais le problème, en fait, c'est que j'ai rien du tout pour le nourrir. Il me faudrait l'ananas. Et lui, il file la fleur d'hibiscus. Du coup, il faut que je retrouve le miel. J'ai oublié que je pouvais me noyer. Ah la vache. J'avais totalement zappé quel bruit il pouvait faire quand il se noie. Attends, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah non, ouais, voilà. C'était le truc à sens unique pour sortir. Ok, on va pas le faire. Ça serait trop bête de ma part. Abîme du poisson. Tac, petite sauvegarde. On va profiter du quatrième donjon maintenant. J'ai plus de souvenirs de ce dernier. C'est éloigné, mais... Maintenant, je commence à me poser la question de est-ce que j'obtiens pas en vrai les palmes dans ce donjon? Une petite clé, non? Ah, ok, non, d'accord. Donc, on va foncer en bas. Ouais, voilà. On tue tout le monde, on a une petite clé derrière. Ah non, ok, d'accord. On tue tout le monde, on ouvre la porte, mais la petite clé se trouve dans le coffre. Pour l'instant, ça va. Rien de spécial. J'essaie quand même de tuer tout le monde en fait, on sait jamais. J'ai pas de petite clé. Ce coffre? Non, ça a même pas sonné pour ce coffre. Ok, ça sert à rien. On va passer par ici.
qu'est-ce que ce coffre me propose du coup? Une carte? Ah, le bec, déjà? Ok. J'ai rarement eu le bec aussitôt. Ok. J'ai quoi à gauche? Ok, toi t'es une clé. Donc là, mon cheminement va se diriger vers le nord. La carte, du coup. Ok, on a la totale déjà. Sur un seul niveau? Ok, donc c'est plutôt simple. Oh! C'est compliqué, dis donc. Mm-hmm. Ah oui, trop bien. Attends, vas-y, viens, viens. Ah non, tu fais des cheminements bizarres? Genre, je m'attendais à ce que... Ok, ne viens pas. Ne viens surtout pas. Ok, donc là, est-ce que j'obtiens une clé? Ouais, bah oui, forcément. Maintenant, tous les coffres vont me lâcher des clés ou des rubis sans nom. Ok. Oh la vache, tellement horrible la manière dont je me noie à chaque fois. Donc là pour l'instant ça va. Le monstre est totalement invincible. J'ai pas l'arme qu'il faut. Ok, donc il y a un passage par ici. Je peux pas me permettre de faire ça. J'ai pas fait attention à lui. Oh, mais il a rebondi tellement longtemps. Ok. Je peux pas y aller. J'ai vraiment l'impression que ça va être les palmes. Hein. Oh, ça se fait pas? J'ai pas de clé. Ah si. Ah non. Pourquoi pas? Vas-y, mon instinct va me dire d'aller descendre les escaliers là. Tac. Mais non. Ah, mon cadavre a touché les clés. Je devrais l'avoir, non? Dans la logique absolue. Ok. Où est-ce que je vais pouvoir aller maintenant, du coup? À gauche, c'est mort, donc c'est en bas. Il y a un moyen de passer par en bas. C'est quoi ton petit message, toi? La lueur des dalles sera ton guide. Pas encore très parlant. J'ai pas encore rencontré les fameuses dalles. On va passer par là. Ah mince. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai voulu l'esquiver et... Ça, c'était une erreur. Non. N'importe quoi. Ça se voit, je suis pas en difficile.
La lueur des dalles. Très bien. Ok. Ça me dit quelque chose maintenant. Ça peut pas être ça. Donc du coup c'est ça. Non, ok, d'accord, je peux pas le faire. Parce que ça doit être le truc qui est tout en haut à gauche. Mais je peux pas y aller. Ça, ça peut être utile. J'ai quoi à gauche? Un endroit où je peux pas aller et c'est pour le boss. Ok. Vas-y, envole-toi. Du coup, il me reste cette... même pas... Où est-ce que je peux aller? Ah, attends, ouais. À gauche, là. Non, c'est pas forcément un bon truc. Oh, attends. J'ai l'impression que je peux me le permettre de le faire. Je force tellement. Mais y'a autre, là. Non, je peux vraiment pas le faire. À moins que... Non plus. Ça m'aide en rien. Où est-ce que je dois aller maintenant? Ah mais attends. Je savais pas. J'avais totalement zappé. Bon bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ah ouais d'accord, ok. Fais comme ça. Comment je vais essayer de te voir toi? Ah ouais, ok, ça marche. Il a refait un tour en arrière tellement comme si c'était une voiture. Ok, nickel. J'ai quelque chose là. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mytho. Je vais tellement prendre la tunique rouge en fait pour le prochain truc. Mais non, j'étais bien là. Nickel. Enfin, nickel, c'était n'importe quoi, mais nickel quand même. Reviens ici, toi. D'accord, ok, ça me dit quelque chose. Hop là. Parfait. Bah voilà, les palmes. Vous avez obtenu les palmes. Appuyez sur B pour plonger et A pour nager plus vite. Ah, c'est horrible. C'est des monstres qui est plus facilement tuable avec des grappins.
Ah, mais c'est toujours le même truc en fait. D'accord. C'est tout? Je m'attendais à un truc exceptionnel, mais non, c'était exceptionnellement nul. Donc là, du coup, je peux faire la même chose, je vais repartir vers la gauche. Oh là, non! Oh, les voies directes! Là, c'est quoi la récompense? C'est une clé, non? Ah non, un escalier, ok. Est-ce que je me sens chaud pour y aller dans les escaliers? Ah, mais non, d'accord, ok. Je vais prendre les escaliers. J'ai l'impression que ça va m'amener à la clé du boss. Non! Oh la vache. Hop. Des petits souvenirs. Donc l'attaque. C'est ça, clé du boss. C'était vraiment logique, hein. Genre on avait quasiment tout fini déjà. Je vais aller récupérer ces deux coffres, parce qu'ils me font de l'œil, hein, carrément. Ah non, ok, d'accord, pourquoi pas. Ok, donc ça c'est cool, mais c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Je voulais une clé, moi. La clé qui serait certainement... Ah, ok. En haut, à droite, en bas. Ok. Ah, mais non, mais si, il y a ça, là. Il y a une clé qui m'attend, là. Voilà. Je peux taper avec ça. Du coup, là, en bas, il devrait me rester... Oh, purée. Bâtard, ça, c'est tellement pas. Non. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Non. Bouge de là. Voilà. Donc là, je suis plutôt bien. J'ai normalement vidé le donjon. Il n'y a que cet endroit que j'ai pas pu faire parce que c'est l'endroit qui ramène au boss. Ouais. Ok, c'est parti. C'est marrant quand il peut taper. Putain, le donjon il se finit tellement vite en fait, une dizaine de minutes. Ok, pourquoi j'ai cet emplacement déjà? C'est un truc. Ah, ok, d'accord, ça se fait dans l'eau. Ah, faut que je tape sa petite lanterne, j'avais oublié. Glou glou gloups, miam à manger. Beau droit. C'est quoi le délire, genre? Ah, il fait tomber des trucs. Ah déjà. Ok, nickel. Je me suis concentré, j'ai fait que des attaques tendantes que je pouvais faire. Donc ouais. Juste après, donjon des couleurs pour récupérer la force.
Purée. Purée, maintenant je viens de penser en fait au type de boss qu'on peut affronter après. Parce que c'est tellement original d'avoir des plans un petit peu 2D comme ça, enfin, des plans de côté, j'ai envie de dire. La harpe du reflux. B. Ta route passe par la baie. Maintenant, ça me dit quelque chose, ça, la baie. On a le droit. Ah, c'est le donjon qui est à côté du. Attends. Je m'embrouille. Le donjon qui est à côté, en fait, du village des animaux. Mais du coup, il y avait un truc ici. Je suis Mambo, descendant du poisson de lune. Possèdes-tu un ocarina? Effectivement. Alors je vais t'apprendre ma chanson. Je crois que c'est tu. Un truc comme ça. Oh, le remix, il est trop bien. Vous avez appris le mambo de mambo. Essayez de jouer cette air quand vous serez sorti de l'eau. C'est pour la TP, je crois. Joue mon mambo pour te téléporter au point de téléportation de l'île. Joue-le aussi dans le donjon. Et pour célébrer notre rencontre, je vais faire en sorte que tu puisses te téléporter à la mare Bobo Mambo. Hein, c'est quoi ça? Bah attends, du coup, ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Y a pas un truc caché ici? Ah ok d'accord, il y a encore une grotte. Parce que je crois pas qu'il faut que je sorte de l'eau tout de suite. Oh, c'est tellement visible. Le fragment de cœur qui est donné comme ça. Il y a un autre truc ou pas? Ok, ça veut dire que c'est pour me bloquer. N'empêche que c'est tellement agréable au niveau des couleurs et tout.